des applaudissements et des sourires pleins d'espoir ce matin lors de l'inauguration de la nouvelle agence Pôle emploi de Petit-Bourg. Ici, l'enjeu est double. Offrir un site fonctionnel, mais aussi plus accessible, au public des communes de Petit-Bourg et Goyave. L'agence de Petit-Bourg, elle existe depuis 2017. Elle était installée à Jarry de façon provisoire. Donc l'agence a déménagé en 2019, il y a un peu plus de 2 mois. Et donc voilà, et l'agence Pôle emploi de Petit-Bourg est sous son territoire. L'idée vraiment, c'est d'avoir une agence de proximité, une agence un peu plus moderne. L'idée aussi, c'est que l'accueil soit un peu plus adapté aux demandeurs d'emploi, aux entreprises et aussi surtout, non, faut pas que je dise surtout, mais aussi avoir aussi une meilleure qualité de vie au travail pour le personnel. L'agence Pôle emploi de Petit-Bourg, c'est plus de 4000 demandeurs accompagnés pour près de 3000 entreprises prêtes à recruter. Un bassin d'emploi conséquent, moteur de l'économie locale. Nous, on a mis en place un aménagement du territoire dynamique pour permettre l'implantation des entreprises. C'est déjà le cas à Colin et bientôt ce sera le cas au niveau de Rougeole. C'est plus de 20 hectares qu'on va consacrer à l'implantation des entreprises. Nous avons plus d'une cinquantaine d'entreprises qui veulent déjà s'installer sur Petit-Bourg. Donc vous comprenez comment un tel outil, un tel instrument est déterminant dans notre politique de développement économique, mais surtout faire en sorte que les petits bourgeois puissent avoir des emplois déterminés, appropriés, et Pôle emploi va nous accompagner dans cette démarche. Faire progresser le taux d'emploi sur l'archipel, le taux de chômage en Guadeloupe est parmi les plus élevés des régions françaises. Alors pour le député Max Mathiasin, pas question de se réjouir, il reste du travail à accomplir pour inverser la tendance. Je suis un petit peu attristé, parce que quand on inaugure un Pôle emploi, ça veut dire qu'on n'a pas progressé forcément dans le problème du chômage. Vous savez que le chômage, c'est 25% de la population depuis des décennies. C'est 50% des jeunes, et en dépit du fait qu'il y ait beaucoup de jeunes qui partent à l'extérieur, qui ne reviennent pas, eh bien, nous savons que le chômage continue d'augmenter ou de stagner toujours à ce même taux. Alors là, il y a une véritable problématique. On constate que le chômage est passé de 10% en métropole, en France hexagonale, à 8,5% aujourd'hui. Or, nous n'avons pas le même frémissement en Guadeloupe. Ça joue un petit peu au yo-yo, mais toujours aux alentours de ces 25% et de 50% de notre jeunesse. La nouvelle agence Pôle emploi de Petit-Bourg est située sur le chemin de Rougeole. 23 agents délivreront un service Pôle emploi dans des conditions optimales où l'humain et le digital se complètent désormais.